nana, on n'oubliera pas. Après la crise du Covid, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés avec des problèmes d'argent. Et donc là, nous, ce qu'on demande, c'est que l'État nous aide. Il y a un étudiant sur deux en France qui ne mange pas à sa faim. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils donnent des aides aux étudiants pour qu'ils puissent pouvoir vivre et étudier. Pour le sujet de la précarité étudiante, des mesures pour satisfaire les besoins primaires, hein, comme le repas à 1 euro, a été retiré. Que la bourse, c'est pas suffisant pour certains jeunes. Hein. Le logement, l'alimentation ou l'accès aux études. Parce que par exemple, en médecine, il y a une très grosse sélection des étudiants, alors qu'à côté, on voit qu'il manque énormément de médecins en France. Ils puissent conserver des salaires assez élevés, et comme ça, l'État fait des économies, que ce soit sur l'éducation. On n'oubliera pas.